vous souhaitons la bienvenue à la Cité des Congrès de Nantes pour cette cérémonie de remise des diplômes d'IMT Atlantique. Un grand merci à tous d'être venus aujourd'hui. Bien que nous soyons d'horizons différents, nous avons tous un point commun. Nous avons grandi dans les années 2000. Nous avons tous connu les Tamagotchi, la tectonique, les sacs à dos Eastpak. On aura été les premiers à surfer sur Internet avec les photos Facebook comme ça. Bon, mais tout ça, c'était avant notre entrée à l'école. On aura lié des amitiés fortes. Alors certes, on a tous vécu ces années-là. Nos aînés aussi les ont vécues, les années 2000. Pas de la même façon, peut-être. Mais ils ont aussi leur mot à dire. Les années 2000, pour elles, c'est le film Ratatouille et les chansons de Laurie, dont elle connaît encore toutes les paroles par cœur. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Alexandra Oliveira, présidente de l'Association des alumni d'IMT Atlantique. C'est un honneur pour moi d'être ici, parmi vous, et de contribuer à votre remise de vos diplômes, de ce précieux sésame que vous méritez tous, qui vous ouvre les portes du réseau des alumni. Et cette grande famille, cette grande équipe, se construit avec vous chaque jour, et ce, au travers des nombreuses actions. On parle de participation auprès d'afterwork, de conférences, de sessions coaching carrière. C'est au travers de ces nombreuses actions, qui soient professionnelles ou conviviales, que vous apportez votre pierre à l'édifice, plus communément connu sous le nom d'IMT Atlantique Alumni. Surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être heureux. Investie dans le Bureau du Développement Durable, elle vient parler d'écologie. Voici Joséphine Schmutz. La formation joue un rôle essentiel dans nos choix futurs. Elle doit être à la hauteur des défis que nous avons à relever. Il faut changer, créer des modèles qui reposent sur de nouvelles valeurs de développement et les intégrer dans les réflexions et les habitudes des ingénieurs. Aujourd'hui, notre travail n'aura plus pour but d'obtenir de bonnes notes, mais de soutenir des idées, de construire un avenir pour ce monde qui est en crise. Si nous ne nous occupons pas du climat, il s'occupera de nous. Il vient de succéder à Paul Friedel. Merci d'accueillir chaleureusement le directeur d'IMT Atlantique, Christophe Lerouge. Je voudrais vous dire mon émotion. Mon émotion d'être le directeur d'IMT Atlantique et d'être sur scène pour cette cérémonie. La vocation d'une école d'ingénieurs, c'est bien de former des jeunes femmes et des jeunes hommes et de leur donner les clés de leur avenir professionnel. Notre vocation, c'est de préparer l'avenir du monde. Je suis convaincu que le socle social de notre nation tout entière repose en grande partie sur l'éducation. Et à IMT Atlantique, nous sommes fiers d'y contribuer. Et c'est vous qui donnez du sens à tout le travail qu'on effectue. Merci de nous avoir fait confiance. Merci pour votre jeunesse. Merci pour votre diversité, votre enthousiasme. Et puis merci aussi un peu pour nous secouer de temps en temps. Votre diplôme et sa valeur seront aussi ce que vous en ferez. Vous allez devoir travailler dans un monde complexe, avec des défis considérables, avec même des questions existentielles, avec des problèmes multiples. Mais je pense que vous avez désormais les compétences pour vous débrouiller et pour réussir. Vous verrez que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc et que la nuance est nécessaire. Gardez votre esprit scientifique, observez, basez-vous sur les faits, analysez, critiquez, soyez des ingénieurs ingénieux. Et puis surtout, faites ce que vous aimez. Et j'attends de vous que vous nous rendiez fiers. Nous avons besoin de vous, les jeunes, pour nous faire progresser vers un monde meilleur. Nous allons enfin accueillir le dernier speaker de cette cérémonie de remise des diplômes, et pas des moindres. Merci d'applaudir Jean-Brice Dumont, parrain de la promotion 2022 d'IMT Atlantique. Et le plus important, c'est une vision, des valeurs et puis des responsabilités face aux enjeux du monde qui nous entoure. Et des enjeux, il n'en manque pas, des enjeux géopolitiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux. Et c'est justement face à ces défis que l'ingénieur, d'une façon ou d'une autre, peut apporter sa pierre à l'édifice, par sa créativité, par ses innovations, par ses propres valeurs. Un dernier conseil, soyez curieux, soyez patient, soyez obstiné, soyez déterminé, allez vers ce que vous aimez. Et puis, je dis très souvent à mes équipes chez Airbus, have fun,
Votre avenir est dans vos mains. Notre monde, nos pays, nos entreprises ont besoin de vous pour contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, un monde plus uni et un monde plus respectueux de l'environnement. Il est temps désormais de passer au moment que vous attendez tous, la remise des diplômes. Nous accueillons François de Corbière, accompagné de Francine Aouan-Nimon, pour diplômer la promotion de master en double diplôme. Diploma, we welcome again Francine Aouan-Nimon and Laurent Toutain, Research Professor in the Department of Network Systems, Cybersecurity and Digital Law. Khaled Loubar, enseignant-chercheur au département Systèmes énergétiques et environnement, qui accompagnera Francine pour la suite de la promotion. Marek, responsable du master spécialisé cybersécurité des infrastructures maritimes et portuaires, pour diplômer la promotion de master spécialisé. Nous passons maintenant à nos pairs de la promotion d'ingénieur généraliste. On commence avec le groupe des énergiques, qui sera accueilli par Julie Champion et Pierrick Oran. Ensuite, nous passons au groupe des expats et vont recevoir leur diplôme des mains de Sylvie Carouédan et Jennifer Kraus. On accueille ensuite Gilles Simonin et Guillaume Doyen qui vont diplômer les geeks. Accueillons désormais le groupe des électrons qui recevront leur diplôme de Charlotte Langlais et Fabien Claveau. Nous accueillons maintenant à nouveau Sylvie Carouédan ainsi que François Gallet qui remettront leur diplôme aux calculatrices.
À présent, nous accueillons Myriam Le Goff pour remettre les diplômes au groupe des médiums. François Deltour et Patrick Maillet vont remettre leur diplôme au groupe des pilotes. On les appelle les filles à Nantes et les filles à Brest. Nous accueillons sur scène Philippe Mussard et Cédric Dumas. IMT Atlantique. Leur diplôme sera remis par Guillaume Moreau. Monsieur Dumont, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir laisser un petit mot pour la postérité dans le livre d'or ? Je suis ravie de vous remettre ce cadeau. En particulier, cette magnifique casquette IMT Atlantique qui pourra vous accompagner. Merci pour votre jeunesse, merci pour votre énergie et encore bravo.